Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je tiens à vous remercier tout d'abord mes amis pour là maintenant on est plus de 20 000 abonnés. Donc merci à vous, merci encore une fois. Ça me touche énormément et ça me motive de continuer sur la chaîne et de vous faire plaisir et de vous faire les tirages. Alors ce que je propose aujourd'hui c'est un petit tirage par tas concernant votre vie sentimentale. Alors ici ce tirage là il est valable dans un cadre de 3 mois à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. D'accord? Donc ici, ce tirage-là, il va tout simplement traiter comment pourrait évoluer, comment pourrait changer votre vie sentimentale, indépendamment si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée avec quelqu'un. Donc voilà, indépendamment de votre vie sentimentale, si vous allez tomber sur cette vidéo, c'est qu'elle vous est destinée et à partir d'un moment, elle va résonner avec vous. Alors, donc, je propose tout simplement un tirage par tas. Donc là, tout simplement, réfléchissez sur votre demande, sur votre situation. Posez-vous les questions que vous voulez savoir. Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie sentimentale d'ici 3 mois? Et laissez-vous guider. Hein. Il y a rien ici qui vous empêche de choisir plus qu'un tas. Si vous hésitez entre deux, eh ben, choisissez les deux. Vous pouvez aussi tout regarder, d'accord? Comme je vous ai dit, durant ce tirage, je vais vous... tout simplement, j'ai mélangé les cartes. Donc là, je vais laisser tout simplement parler les cartes pour vous, pour tout simplement vous aider à savoir qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici 3 mois dans votre situation sentimentale. Donc voilà mes amis, on va commencer tout de suite par le premier tas qui est avec la labradorite. Donc après le deuxième, ça serait avec le cœur rouge. Le troisième, c'est le quartz rose. D'accord? Voilà. Alors du coup, on va commencer avec le premier tas. On va voir un petit peu ce qui se passe ici du coup. Alors, donc là, ce sont des cartes conseils, ce sont des cartes qui peuvent vous aider, vous faire passer des messages particuliers en rapport avec votre situation pour vous faire un petit peu, voilà, aider quelque part dans votre progression sentimentale. Donc là, j'ai vraiment rajouté d'autres jeux spécialement sentimental. Alors, ok, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les cartes conseils ici et on va passer aux oracles et au tarot. Alors, donc, d'après ce que je vois pour moi, il est possible que certainement, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période un petit peu d'impasse. C'est-à-dire peut-être vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez peut-être sur votre avenir, sur la situation dans laquelle vous êtes, peut-être vous êtes célibataire et que ça, le célibat il vous pèse un petit peu et du coup vous demandez s'il va y avoir une évolution possible pour vous, oui ou pas. Donc là, je vois une impasse, je vois quand même à la limite une situation un petit peu n'est pas très très clair pour vous. Par contre là ce qui arrive derrière c'est très 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 beau parce que là bon déjà pour les célibataires on me parle ici d'une rencontre, d'accord, d'une rencontre qui va se faire en toute douceur, d'une rencontre qui va vous permettre un petit peu voilà d'échanger avec beaucoup beaucoup de romantisme avec quelqu'un. Il est possible que ça pourrait justement se concrétiser, d'accord, une relation qui pourrait ramener ici vraiment une certaine stabilité sur votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont en couple par exemple ou ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, d'accord, peut-être vous avez passé par un moment délicat, peut-être voilà vous arrivez au bout d'un certain moment, vous demandez si il va y avoir une progression, s'il va y avoir une évolution, etc. Et ben là ici j'ai l'impression que les choses vont s'adoucir un petit peu pour vous avec cette carte là. J'ai l'impression que vous allez un petit peu trouver peut-être une solution, vous allez peut-être changer un petit peu d'optique dans la relation. Il est possible qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Peut-être c'est votre partenaire, peut-être la personne qui est dans votre cœur. Mais du coup, là, je vois quelque chose ici qui va se concrétiser avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, du coup. Donc là, certainement, on vous invite ici, même avec ces cartes-là, de jouer sur votre tendresse, sur vos sentiments, sur votre côté sensible. Donc là, vraiment, peu importe si vous êtes un homme ou une dame. Moi, je dis toujours qu'on a tous, hein, on a tous vraiment un aspect yin et yang dans notre personnalité. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes un homme ou une dame.
comme on a tous un côté tendre et sensible, et ben mes amis, dans les prochains mois, vous devez sortir ce côté tendre, ce côté vraiment doux dans votre relation pour peut-être rallumer la flamme de votre liaison. Et j'ai l'impression que ça va jouer énormément de rôle pour peut-être retrouver un équilibre, d'accord, ou peut-être pourquoi pas officialiser un petit peu la relation. Donc ici, j'ai pas l'impression la confrontation ou le fait justement peut-être de d'une manière directe ou indirecte compliquer les choses pour vous ou pour l'autre personne va vous aider à aller quelque part. Donc là vraiment votre arme ici c'est votre tendresse, vraiment, c'est vraiment la sensibilité, le romantisme, vos sentiments, tout simplement laisser parler cette face en vous, laissez parler vos sentiments et vous allez voir que ça va vous ramener vers une très 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 belle direction. Là aussi, on me dit que certains d'entre vous, peut-être dans la, vu que c'est général, donc soit vous avez passé, ça confirme un petit peu ce qu'on voit ici, soit vous avez passé par une rupture, soit vous avez passé par un moment de crise. Il y a tout simplement quelque chose qui s'est écroulé, il y a quelque chose qui s'est, voilà, qui est arrivé peut-être au bout, hein, à la fin quelque part, et que au bout d'un certain moment, vous ne pouvez plus continuer dans cette direction. Et là, du coup, voilà, il y avait cette notion de détruire pour mieux construire. D'accord ? C'est ce que je vois pour moi, vraiment, pour les personnes qui vont choisir, qui ont choisi le tas de labradorite et qui vont dans le futur choisir le tas en labradorite. Sincèrement, les 3 prochains mois, à partir du moment là où vous allez regarder cette vidéo, il va y avoir un changement peut-être qui pourrait être radical. D'accord, mais par contre sur de termes, sur de une structure plus solide en fait. D'accord. Alors là, c'est peut-être parce que vous vous êtes disputé, parce que peut-être vous arrivez à la fin d'une relation, parce que il y avait quelque chose qui n'a pas beaucoup fonctionné pour vous. Mais rassurez-vous que derrière il y a quelque chose de très positif qui se prépare. Et on le voit aussi, on a la reine de bâtons. D'accord, la reine de bâton, c'est une personne qui, alors ça pourrait être masculin ou féminin, hein, ce sont tout simplement les énergies ici. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui est quelqu'un qui est très sensible, qui est très intuitif, qui est très créatif. C'est une personne qui est très aimable, d'accord, c'est une personne que définitivement on veut être avec. D'accord. Donc là, pour les célibataires, il est possible que justement c'est une rencontre, comme je l'ai dit là ici. On me le confirme encore une fois avec un autre jeu. Ou tout simplement ici, si vous êtes avec quelqu'un ou il y a quelqu'un dans votre cœur, eh ben, la passion, elle sera en rendez-vous, mes amis. D'accord. Et là, on vous dit que ça change. La route fortune, elle est là pour vous ramener la chance, pour un petit peu changer les choses pour vous, d'accord, pour faire aussi pousser les choses et bouger les choses aussi dans une direction qui, d'après ce que je vois, vraiment dans une meilleure perspective. Et dans les cartes conseils, on vous dit... Ah oui, c'est clairement, hein, là que vous allez des renouveaux. Oui, voilà. Donc, on va commencer par le 6 d'air. Donc, le 6 d'air, il vous dit, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaissant dénouement, partez en voyage. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, les célibataires, peut-être vous allez faire votre rencontre dans un voyage, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Pour ceux qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur vie, peut-être aussi le fait de passer un moment, d'accord, avec votre partenaire, loin de votre environnement actuel, genre un petit week-end, quelque chose comme ça, pourrait justement faire changer les choses, d'accord, vraiment. Mais surtout, cette carte-là, elle vous dit les choses s'améliorent. Et vous voyez aussi, vraiment, c'est ce qu'on le voit ici, vraiment. Donc là, indépendamment de la situation, donc vraiment, je reste sur le général. Parce que forcément, vous êtes tous différents. Vous passez tous par des moments, par vraiment, vous avez tous des vies, voilà, différentes. Là, pour moi, le général, le message collectif à vous faire passer, c'est que les choses s'améliorent. D'accord, donc là il va y avoir quelque chose qui va s'améliorer. On vous dit aussi, la grande prêtresse des deux arcanes majeurs, on vous dit fiez-vous à votre intuition, soyez patient, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez.
D'accord? Voilà. Cette carte-là, elle vous dit si vous devez prendre une décision, si vous devez peut-être voilà, faire un pas, faire changer les choses. Donc là, rassurez-vous que vous êtes connecté à votre propre intuition. Rassurez-vous à ce que vous savez exactement ce que vous voulez, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre un petit peu d'assurer ce changement-là. On vous dit aussi le renouveau. Donc là, on vous dit examiner et évaluer. Une évolution favorable des faits. Encore une fois, cette idée d'amélioration des choses et on vous dit le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc la nouvelle avenue, soit si vous êtes célibataire, et ben ça serait une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Et si vous êtes en couple ou vous avez quelqu'un dans votre cœur, et ben ça sera un renouveau dans votre relation. Une nouvelle issue, c'est vraiment une renaissance. Donc vous voyez déjà ici, hein, on a le couple. Vous voyez, vous avez le couple, vous avez un enfant. Donc vraiment, là pour moi, c'est un renouveau. C'est un renouveau ce qui vous attend. C'est une génération, c'est une amélioration des choses. Donc là, vraiment pour moi, c'est un très beau tirage parce que pour moi, ce tirage-là, il vous rassure que si actuellement vous êtes dans une situation critique, peu importe votre situation, couple ou célibataire ou triangulaire, peu importe, les choses vont s'améliorer. D'accord, voilà. Donc c'est un très 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 beau message, un très beau tirage. Donc j'espère que ça se réalise, j'espère que ça se concrétise pour vous. En tout cas, pour moi, je le vois en toute positivité. Voilà mes amis du tarot numéro 1. Donc là, on va passer tout de suite au tarot numéro 2. On va voir ce qui sort ici pour vous. Pareil, on va laisser un petit peu les cartes conseils en dernier moment. Là, ici, je vais les faire comme ça. Du coup, on va commencer par... Alors, les oracles. Ah oui, je me rappelle. Là, j'ai eu quatre cartes du coup avec ce jeu-là. D'accord? Donc je l'ai pris. Quand ça tombe, et eh ben ça tombe, c'est qu'il y a forcément un message à vous faire passer à travers ça. Alors, mes amis qui ont choisi le tas numéro 2. Ouais, c'est ce que je vois exactement. Bon, alors je vais commencer par ça parce que certainement ça va résonner avec vous. Alors, on vous dit ici, c'est peut-être vous avez fait dernièrement un choix qui a été peu judicieux. On vous dit, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez le motif de chacun. D'accord? C'est que si vous avez raté l'occasion, ça ne veut pas dire que vous avez tout raté, mes amis. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus fonctionner. Ça ne veut pas dire que non. Ça veut dire que cette fois-ci, apparemment, ça n'était pas le bon moment. Peut-être ça n'était pas la bonne personne. Ça n'était pas les bonnes circonstances. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tout perdu. D'accord? Pour moi ici, alors il est possible que c'est une situation liée aux parents du coup. Alors peut-être certains d'entre vous, vous étiez avec quelqu'un, d'accord? Il y avait une histoire qui a été démarrée, vous étiez bien. Peut-être que les parents, alors vos parents ou les parents de l'autre personne, peut-être n'étaient pas d'accord sur la relation, n'étaient pas d'accord sur un aspect peut-être de la relation. Il y avait peut-être quelque chose qui venait des parents, qui venait de la famille, soit de la vôtre, soit celle de, voilà, de la personne dans votre cœur. Là, je vois que peut-être certains d'entre vous, votre situation, elle a été marquée par une certaine intensité. Du coup, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, il est possible qu'il y avait récemment une situation là où c'était vraiment très intense. D'accord? Ça pourrait être vraiment pimenté, comme on le dit, hein. Par contre, là, on vous dit... ne le prenez pas très mal, d'accord? C'est pas le but, c'est rien de ça, en fait. On vous dit peut-être... Ce que vous avez fait maintenant, ou les conséquences par lesquelles vous êtes en train de passer, c'est parce que tout simplement vous avez fait un choix qui a été vraiment peu judicieux pour vous. Mais là, vraiment, mes amis, prenez le temps pour mieux réfléchir, hein. La carte de la tour, elle est là. Vous voyez le message? Elle vous dit réfléchissez ici. Donc la carte de la tour, pour moi, c'est vraiment c'est le fait de prendre de la hauteur. Justement pour mieux voir les choses. Pour mieux voir les choses, prendre un repos si nécessaire, vraiment vous détacher de cette intensité quelque part. Ça pourrait être avec vos parents, comme je vous ai dit, ça peut être avec quelqu'un en particulier. D'ordre général, peu importe, mais c'est essentiel ici, prochainement, que vous devez vous accorder un petit peu de temps,
D'accord. Certains reculs, peut-être prendre un pas en arrière, vraiment, c'est pas mauvais. Des fois, on a besoin de reculer pour mieux avancer et pour mieux vraiment, pour mieux déjà choisir la bonne direction pour nous. D'accord. Donc là, ne prenez pas ce qui s'est passé mal, c'est rien contre vous. Si les choses n'avancent pas ou c'est rien qui se concrétise, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire. C'est tout simplement, ça veut dire que apparemment, ça n'était pas le bon moment ou ça n'était pas la bonne décision. D'après ce que je vois ici avec le 9 de bâton, on me dit que vous avez passé encore une fois par une impasse. D'accord? Il y avait quelque chose qui n'a pas été, voilà, qui a été vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour vous. Vous êtes peut-être battu pour une personne, vous êtes peut-être battu pour une situation. Alors là, il est possible que, peut-être là, on parle d'une famille, hein, peut-être des parents, peut-être certains d'entre vous, peut-être vous séparez et que il y a peut-être des enfants dans l'histoire, c'est possible, d'accord? Donc là, c'est vraiment général, hein. Je reste sur les générales, vous pouvez adapter tout à votre situation. Mais là, certainement qu'il y avait une impasse quelque part. Il y avait quelque chose, voilà, qui n'a pas été allé dans la direction que vous voulez quelque part. D'accord? Par contre, là, le 8 d'épée, il est là pour vous dire que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur aussi de changer de perspective, de reprendre le contrôle. N'ayez pas peur aussi de reculer. Le fait de reculer, ça ne veut pas dire la défaite. D'accord? Surtout pas ça. Le fait d'être en peur ici ou d'avoir peur, ça, c'est pas ce qui va vous faire avancer. Prenez le temps qu'il vous faut. Surtout prenez le temps qu'il vous faut. Ne précipitez pas les choses. Il n'y a personne ici qui vous pousse à prendre une décision maintenant. Ne le faites pas si vous ne le sentez pas. D'accord? Prenez soin de vous, surtout. Dans les décisions que vous devez prendre. Et là, surtout, je vois vraiment une très magnifique issue juste derrière, parce que justement, vous avez la carte du monde. Alors, la carte du monde, pour moi, c'est la réussite, c'est le contentement. C'est le fait, justement, qu'on arrive finalement à concrétiser ce qu'on veut, qu'on arrive au bout de chemin. La journée, elle a été certainement difficile, d'après ce que je vois. Ça a été vraiment beaucoup de... Ça a été compliqué, voilà, ça a été compliqué avec le partenaire, avec la personne dans votre cœur, avec la famille, avec les enfants, avec votre solitude, avec le fait d'être célibat pour beaucoup de temps. Mais là, certainement, il y a quelque chose derrière qui arrive. Voilà. Comme je vous ai dit, vous avez raté une occasion, mais vous n'avez pas tout raté. Parce que là, il y a quelque chose de positif qui est derrière. En plus, le monde, c'est une carte. Là, c'est un arcane majeur. D'accord? Donc cette carte-là, elle a son poids dans ce tirage, vous voyez? Alors, je vous lis encore le message ici, la continuité des messages, des conseils qu'on veut vous faire passer. Alors ici, avec le page d'air, déjà on parle d'honnêteté, de logique, de curiosité. On vous dit annonce d'une information qui a pu être déstabilisante, peut-être des retards qui s'accumulaient. Avec un partenaire, avec une situation, voilà, d'ordre général. Mais là, on vous dit, des changements sont apportés à vos projets. On vous dit, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait peut-être preuve de tact. Et c'est ce que je vois ici. Peut-être justement, il y avait quelque chose qui vous est tombé dessus, que vous, peut-être, vous n'avez pas vu venir. Alors, ça pourrait être, comme je vous ai dit, une influence des parents, une influence d'une externe personne. Il n'y a personne ici qui a ramené peut-être sa zizanie dans votre situation. Peut-être aussi, voilà, vous avez découvert quelque chose qui vous a un petit peu surpris, qui vous a peut-être un petit peu bouleversé, qui vous a mis dans une impasse quelque part. Vous avez besoin un petit peu de prendre un certain recul pour mieux réfléchir, etc., etc. Mais dites-vous, une chose, c'est que tout ça, c'est temporaire. Et apparemment, c'est là pour tout simplement pour vous réveiller, pour vous ramener de la clarté sur votre situation. Si vous, ici, vous avez été à la recherche de quelque chose, c'est que cette information que vous cherchez, c'était quelque chose de très important pour vous et pour votre évolution. Donc, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Pour moi, je vois tout en positif parce que même si elle a été déstabilisante, ça a été nécessaire pour votre progression. D'accord? Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai cette carte-là ici juste derrière. Effectivement, c'est le 10 d'eau. Les 10 d'eau, c'est les 10 de coupe. Donc, on vous dit ici une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Voilà. Alors, j'ai le sentiment ici
Apparemment, l'information que vous avez découverte, qui vous a un petit peu déstabilisé, pardon, ça a été peut-être en rapport avec la confiance. C'est peut-être vous, vous doutez de la confiance d'une personne, ou il y a peut-être une personne qui n'a pas été honnête avec vous sincèrement. Mais là, apparemment, vous allez découvrir ce qu'il y a dedans, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, d'accord? Et ce que vous allez découvrir, n'ayez pas peur de ça. D'accord? N'ayez pas peur de la confrontation, n'ayez pas peur de faire face à la réalité. Vaut mieux faire face à la réalité que vivre 10 ans dans un mensonge. D'accord? D'accord, mes amis? Parce que vous voyez ici, si vous vous protégez proprement, si vous essayez un petit peu de protéger vos principes, d'accord, ce que vous voulez dans votre vie, et ben vous voyez ici ce que vous attend le 10 de coupe. C'est vraiment le contentement, la famille. Et pour moi, ça se concrétise avec la bonne personne. D'accord? Pas la personne qui n'est pas sincère avec vous ou qui est en train de faire n'importe quoi. Voilà, mes amis. Moi, je le vois comme étant un très beau tirage aussi, parce que là, si on va vous prévenir dans les 3 prochains mois de quelque chose que vous devez absolument savoir, c'est que tout simplement parce qu'on veut vous protéger et parce que tout simplement on veut que vous soyez prêt et prête pour le 10 de coupe. Voilà. Et que vous ne perdiez pas votre temps avec quelqu'un, voilà, qui vous ne méritez pas. Voilà. Alors, on va passer au dernier tas ici pour savoir un petit peu le message pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Voilà. Alors, pareil, on va laisser ces cartes-là ici. Alors. D'accord. Alors, pour moi, déjà, pour les célibataires, moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une rencontre ici. Il est possible que vous alliez recevoir une sorte d'invitation, quelque chose d'inattendu. Ça va arriver vraiment sous forme d'une surprise. Il est possible que vous allez recevoir un cadeau, dis donc. Donc là, pour les couples et pour les célibataires, il y a un cadeau qui arrive. Mais ça pourrait être vraiment un cadeau de la vie pour moi. Alors, comme ça, comme je le vois pour les couples, il est possible que vous allez entendre que, ou vous allez apprendre que vous êtes enceinte. D'accord? Mais surtout, là, ici, je vois un projet commun qui se concrétise ou qui pourrait justement se concrétiser. Encore une fois, pour les célibataires, je vois une rencontre prometteuse ici. Je vois quelque chose vraiment qui arrive. Peut-être. Alors. Moi, je sens certains d'entre vous, apparemment, au bout d'un certain moment, il y a une personne qui vous a laissé tomber. D'accord? C'est comme si ici, vous voyez cette carte, c'est comme si là, vous avez tout préparé, vous avez peut-être, voilà, préparé la rencontre, vous avez préparé un projet, vous avez vraiment tout mis dedans, vos efforts, vos émotions, etc. Mais il y a une personne, finalement, elle vous a tourné le dos ou elle vous a vraiment fait attendre pour rien, vous voyez. Donc là, je parle vraiment dans le sens symbolique parce que je veux bien rester général pour cet état-là. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce tirage-là, il est pour vous tous. Peu importe, vous êtes célibataire, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans une relation triangulaire, peu importe la situation. Mais là, ce sont que des énergies, là, ici, qui parlent. Mais certainement, là, certains d'entre vous, apparemment, vous avez mis beaucoup d'efforts dedans, d'accord? Et que peut-être vous avez eu l'impression que, voilà, on vous a laissé tomber quelque part, d'accord? C'est que, voilà, les efforts que vous avez mis, ils étaient, en guillemets, en vain, mais elles ne sont pas en vain. Alors, là, par contre, je vois quelque chose derrière. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas en vain. Parce que là, si ça n'a pas marché une fois, c'est que là, j'ai quelque chose de positif qui arrive. Hein. Je dis ça, je dis pas ça pour n'importe quoi. Je dis ça parce que j'ai de très, très, très belles cartes ici derrière qui parlent de ça. Alors, on vous dit déjà, préparez-vous pour une surprise, d'accord? Préparez-vous pour un changement positif. Alors, pour ceux peut-être qui ont essayé depuis un certain temps de tomber enceinte ou peut-être justement de faire des efforts pour vivre en commun avec quelqu'un en particulier, peut-être vous, vous êtes intéressé par quelqu'un et que au bout d'un certain moment, ça n'a pas cliqué. Mais là, rassurez-vous que j'ai des cartes positives qui parlent justement ici de l'esprit de partenariat, d'accord? J'ai le 3, l'esprit de partenariat, le 3 de coupe, donc il y a quelque chose à fêter. J'ai l'impression ici qu'on me parle justement d'un arrivée de bébé, un projet commun, donc vous allez peut-être déménager, emménager, mais certainement il y a une très 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 belle surprise, il y a quelque chose à fêter derrière. Peut-être là,
Vous avez commencé à préparer quelque chose, un projet, une relation, vous étiez prêt et prête et qu'au bout d'un certain moment, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça pourrait être avec la même personne, ça pourrait être avec une autre personne. Donc là, peu importe, mais là, j'ai quelque chose que vous allez fêter certainement. Et là, c'est quoi? Vous avez le 10 de Pentacle. Alors, encore une fois, le 10 de Pentacle, c'est vraiment là le couple pour moi. C'est la stabilité, c'est quelque chose de concret. Et vous voyez ici, on a un couple. D'accord? Un couple qui prend soin comment dire là? Lui, il prend soin d'elle, elle prend soin de lui. Voilà, donc c'est la vie de couple. C'est vraiment une dame. Ils sont mariés, ils sont légitimes. Alors, c'est la famille, c'est la stabilité financière aussi. Donc, pour moi, je vois vraiment une très, très, très belle concrétisation. Alors, c'est peut-être vous, vous ne y attendiez pas, d'accord? Parce que c'est pour ça, ici, on vous dit surprise. Cadeau, surprise. Donc c'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas venir ou vous ne voyez pas venir, mais rassurez-vous que ça arrive. D'accord? Alors ici, ce qu'on vous dit, mes amis, on vous dit, voilà, l'heure est venue peut-être de vous reposer et de prendre quelques vacances, pourquoi pas. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clairement. Je dis ça parce que j'ai vu cette carte, justement. Ce message pour moi, c'est le conseil que vous devez écouter si vous vous retrouvez dans l'énergie de cette carte-là, le fait d'être un petit peu abandonné, le fait d'être vraiment peut-être de faire tout l'effort et de sentir que vous êtes la seule ou le seul à faire l'effort dans l'histoire, ou voilà, et par contre, vous vous sentez un petit peu seul. Même si vous êtes avec quelqu'un, peut-être vous vous sentez seul, mais là, on vous dit peut-être là, maintenant, actuellement. Ça sera plus judicieux pour vous de prendre un repos, de prendre une petite pause. Surtout pour moi, c'est pas le physique que je vois, mais c'est plutôt le mental. D'accord? Le 5 d'air, c'est vraiment, on est vraiment sur le mental ici. Et déjà, on vous dit, l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. La méditation pourrait vous aider à y voir clairement. Alors, là encore, on me dit le chariot. Déjà, le chariot, c'est un arcane majeur. Donc là, il est question d'un changement important dans votre vie suite à cette surprise. Eh bien, écoutez, s'il s'agit d'un projet de vie commune ou d'une grossesse, eh bien, c'est clair, hein? Ça peut être représenté justement par le fameux chariot. Et on vous dit, voilà, on vous dit une réalisation importante. On vous dit autodiscipline et volonté, renaissance et éloge. Donc, pour moi, la réalisation importante, le fait d'avoir un bébé, c'est une réalisation importante. Le fait d'entendre qu'on est enceinte ou qu'on apprend la nouvelle qu'on est enceinte, c'est une réalisation importante. Le fait aussi de déménager, emménager avec quelqu'un, commencer une vie commune, commencer une relation vraiment solide et saine, c'est une réalisation importante. Très importante. Vous voyez, donc là vous avez l'énergie de chariot qui est là pour vous supporter, pour vous dire que d'ici 3 mois pour vous, à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo, il va y avoir quelque chose d'important qui va se réaliser pour vous, une réalisation importante dans votre vie sentimentale. D'accord? Et là justement la dernière carte, elle vous dit c'est le page d'eau. On vous dit une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité physique accrue. Donc pour moi, le page, ce sont des enfants. Donc si vous êtes en couple, et d'après ce que je vois pour moi, il est possible que prochainement, soit un emménagement ensemble, soit tout simplement, comme je vous ai dit, l'arrivée de bébé. Alors si vous êtes en couple, si vous êtes, pardon, célibataire, le page d'eau, il est là pour vous dire encore une fois, une nouvelle personne, elle fait irruption dans votre vie. Donc c'est une rencontre. Et pour moi, c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est une rencontre prometteuse. D'accord, c'est une rencontre qui vous est destinée, c'est une rencontre qui est alignée avec votre perception, avec ce que vous attendiez d'une relation. D'accord? Alors, ça pourrait ici être par le biais des réseaux sociaux, par le biais pour les célibataires, hein, par le biais des réseaux sociaux, un site de rencontre, quelque chose comme ça. Mais pour moi, surtout, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose vraiment de très, très, très prometteur. Donc, vraiment aussi, c'est un très beau tirage, le troisième, parce que ça parle vraiment d'une réalisation très, très, très importante. Là, projet commun, peut-être un projet de grossesse, une nouvelle personne ici promettante dans la vie des célibataires. Donc, j'ai l'impression ici qu'on parle vraiment, vraiment, vraiment d'une très, très, très belle réalisation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de positivité dans chacun des tas. Donc, j'espère que ça vous parle tout le monde, d'accord? Mais surtout, là, ici, je vois, dans chaque tas, je vois quelque chose qui parle d'une stabilité dans un domaine très particulier. Et une réalisation dans un domaine très particulier. Du coup, c'est très, 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 c'est très positif.
J'espère en tout cas que ça vous parle, vraiment. Bon, mes amis, ça a été le tirage d'aujourd'hui, domaine sentimental, évolution sur 3 mois. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, commenter si vous voulez partager. Je vous dis merci encore une fois pour votre support. Bon, vu qu'on me demande, donc si vous êtes intéressé par un tirage spécial avec moi, personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'informations, vous avez mon site internet, vous pouvez aller directement et commander votre tirage directement sur mon site. Je vous répondrai avec un rendez-vous et je vous dis merci à tous et à très bientôt. Au revoir mes amis.